Salut tout le monde, c'est Genio et on se retrouve pour l'épisode 7 de notre Let's Play sur Cube. Et donc on se retrouve dans cette salle où je vous avais laissé. Et finalement en fait j'ai cherché un petit peu ce qu'on pouvait faire avec ce laser. Et en fait on peut rien faire tout simplement. Et j'ai vu qu'il y avait un couloir à ce bout là. Hop. Donc on va y aller. Hop, donc là j'ai pas encore vu ce qu'il y avait par là. Par là il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Est-ce qu'on peut monter comme ça? Ouais, apparemment on peut monter là. Ah ok, on arrive devant une salle là. Je vais tomber dedans, hein, voilà. Alors on a un laser là. Ah ok, je suis sur du vert encore. Alors, on arrive dans cette salle là. Donc là on a un cube comme ça. Ok, alors là, je sens bien le truc, il faut pousser ça là. Celui-là doit être baissé au maximum. On pousse ça, mince. Mince. Le truc, c'est carrément barré du coup. Alors on va faire un petit reset. Ouais, bon, c'est assez chelou. Comment ça se fait que ça m'a fait ça? On va essayer de le monter. Alors on peut pas. Si je fais ça, c'est pas bon. On a un problème. Parce que du coup, si je fais... Puis ça, c'est quoi? Ok. Ça sert à rien. Ouais, ok. Donc ça... Donc on va essayer de baisser celui-là. Augmenter, vite fait augmenter celui-là. Ah non, on peut rien faire. Donc apparemment, celui-là est destiné à être là. Si je puis dire. Ouais, je comprends pas vraiment là en fait. On peut faire ça. Bon, on va tout remettre à zéro une nouvelle fois. Et là, je comprends pas trop en fait le truc. Ah, on peut peut-être. Ah, attendez, je vais essayer ça. Du coup, vu que ça propulse dès qu'on donne un coup. Ah, ouais, mais non, ça propulse pas à la même. Au même endroit, je veux dire. Ok, donc du coup, bah, là, il est un peu piégé. Hop, remise à zéro. Heureusement qu'il y a ce bouton, quand même. Alors là, j'avoue que je suis un peu paumé. Je sais pas trop où est-ce qu'il faut... Si je fais ça, bien sûr. Je peux pas déployer celui-là. Mais, est-ce que je peux... Non. Est-ce que je peux déployer celui-là? Oui. Et celui-là, il me sert à quoi? Il me sert à rien, en fait. Et celui-là, il me sert à... Il me sert pas, là, en l'occurrence. Alors là, je vois pas trop comment on peut... Ça m'énerve, parce que là, il va se rebarrer. Là, il va là. Ok. Et du coup, ça me débloque rien, là. Mince. Ah, là il y a un truc là dans ce coin là. Non, non, il y a rien en fait. Ah, il y a ça aussi. Ouais, mais non, ça doit être à la toute fin, je suppose. À mon avis, il y a un truc à débloquer pour justement se débloquer la situation, mais je sais pas où. Si je fais ça, ça et que je le pousse de deux. Ah bah non, il se touche même pas. Ok. Du coup, je peux le pousser là, mais... Bah ouais, mais ça va nous redonner le même problème, là. Ça va nous redonner le même problème, parce que si je fais ça, ça me donne rien du tout. Si je fais ça, ça me donne rien du tout non plus. Et si... Alors, attendez. On va déployer le jaune... Et... Ouais mais non, ça sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Et si je déploie le jaune directement? Oh. Alors là, il s'est passé quelque chose de bizarre.
s'est retourné. Hop. Si je fais ça. Ouais, c'est bien qu'il se pousse là, mais ça me donne rien en fait. Ça ne me donne rien. Hop, là ils étaient. Alors là, ça m'avait donné quelque chose d'intéressant, je dirais. C'était ça. Et si je le fais plusieurs fois, ça fait quoi? Ça fait rien. Et si je... Ok, donc là, il se remet droit, en fait. Et si je... J'essaye de... Ça, ça ne sert à rien non plus. Ah, il s'est un peu soulevé, là, mais je sais pas si c'est... Alors, le problème, c'est ça. C'est qu'il faudra réussir à le soulever, ne serait-ce qu'un petit peu, je dirais. Là, le problème, c'est que je vais faire ça. Est-ce qu'il est pas doublement extendeur? Ouais, non, il peut pas. Il peut pas. Et là, il se rebarre dans ce trou, là, qui sert à rien. Bah, écoutez, pour l'instant, je sais pas trop cette salle-là. On verra à la limite si on... Ah. Y a pas un truc sur ce côté. Non, y a rien, ok. Bon, on va voir l'autre salle, parce que ça se trouve, celle-là, faut la faire après, ou... Ouais, bah non. En fait, non. Ok, donc y a bien un truc à faire dans cette salle-là, mais je ne sais... Hey, pourquoi y a ça, là? Ah, ok, donc apparemment, le faisceau, il faudra le renvoyer ici. Ok, donc, on a l'objectif... mais je dois louper un truc là dans ma perception du truc. Parce que ça, on peut pas interagir avec ça, bien sûr. Et ça, ça sert à rien. Et. Ah là, j'ai un truc là. Ah purée, j'avais pas vu. Alors ça, du coup, ils servent à quoi les blocs blancs? Ok. Voilà, on reset. Normalement, les blocs blancs se resetent pas. Ok, donc bah du coup tout se débloque, j'avais pas vu enfin, j'avais pas vu qu'on pouvait pousser le câble. Alors là le truc c'est quoi? Ah ok, donc c'est un gros pylône. Donc justement on va pouvoir attendre qu'il arrive vers nous. Et comme ça, ça va bloquer. Maintenant, bim. Voilà, donc là il s'est bloqué sur le cube rouge. Je vais pouvoir le soulever. Ok, donc là déjà il s'est bien remis, ça c'est cool. Hop, hop. Ah ok, et là on va attendre que le blanc... On va venir le poser sur le blanc en fait. Normalement le blanc devrait pas tarder à revenir. Tac, tac. Voilà, magnifique. Et là il m'emporte le blanc je ne sais où, mais je suppose qu'il faut le pousser avec ce rouge là. Voilà. Il faut le pousser encore. Et à mon avis il va falloir le pousser... Hop, voilà. Ah, j'avais pas vu celui-là. Vite. Ah, putain. Ah, mince. Ah, purée, je crois que ça a pas marché. Ah, bah, c'est bon. Je me suis pris un peu tard. Et bah, du coup, bah, ça doit envoyer la lumière dans le bon endroit, je suppose. Ouais, magnifique. Magnifique, on va suivre la lumière. Et normalement, ça a ouvert cette porte-là. Ouais, voilà. Qu'est-ce que ce jeu est bien fait. Donc là, je suppose qu'on va sauter vers je sais pas où. Vers ce mur qui nous fait ressauter ici. Ok. Et là, on a un truc qui s'ouvre. Ok. Ok, ok. Et donc là. Waouh. Alors là. Il semblerait qu'il faille envoyer des. Un rayon là. Et les deux autres d'en face. Et pour ça, on a 4 cubes. Alors là, j'ai franchement pas d'idée. On va faire ça. Je vais voir déjà. Ok, donc ça, ça marche. Ça marche. Je vais faire aller jusqu'au bout. Du coup, ça va faire un décalage.
Ça fait un décalage, mais en même temps, ils sont alignés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah, il y a des trucs là que j'avais pas vu. Ok, il y a des trucs rouges. Ok. Déjà, je vais retirer tout de ce côté-là. Puis de ce côté-là. Et non, si je pousse ce rouge. Hop. Et à toi. Oh purée, j'espère qu'il s'est pas arrêté trop tard. Hop, on va faire un truc. Voilà, donc là en fait il y aura deux petits qui seront casés devant les deux. Devant les deux trucs comme ça, ok. Alors on va essayer de le tirer par là. Hop. On va faire ça. Ah, je crois que j'ai une idée. Non d'ailleurs. On va encore le tirer un petit peu. D'accord. Voilà. Le petit va se décaler. Tac. Ouais, ça va peut-être mettre un tout petit peu. Alors je sais pas du tout si c'est bon. Du coup il va mettre du temps à se caler. Et voilà, ok. Donc là il est bien calé par là-bas. On va tous les caler comme ça. Je pense pas que ce soit bon. Hop. On va attendre que le petit arrive. Alors. là, je pense pas que ça va être bon. On va en avoir deux là. Je vous retrouve dès que ça lag plus. Et donc, on se retrouve. Alors, je sais pas pourquoi, ça doit être la salle qui fait laguer. Parce que j'ai dû relancer 3-4 fois mon jeu. À chaque fois, ça marchait pas. Et ça me refaisait laguer à chaque fois, je comprenais pas pourquoi. Et là en fait je me suis dit tiens, je vais leur faire en accéléré, donc le petit bout que vous venez de voir. Et d'un seul coup ça s'est remis à plus laguer, alors hop, je reprends le micro on va dire. Et voilà, donc là j'essaye un truc, parce qu'entre deux j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu. Et j'avais envie d'essayer un petit truc, alors je sais pas du tout si ça marchera à vrai dire. Parce qu'en fait la salle a l'air quand même assez complexe. C'est bien que là je peux même plus pousser les trucs rouges ici. Ouais, je peux. Et celui-là, je peux. Tac, on va le pousser de 3. On va le pousser lui aussi de 3. Réfléchir. Ça va pas le faire ça en fait, je crois. Ce que je suis en train de réfléchir, c'est de savoir si après en les décalant, ça va marcher. Mais déjà celui-là décale pas la lumière, donc c'est pas très cool. Je vais essayer, je vais voir si ça marche ce que je veux faire. Au niveau du moins de la distance. Ah ouais non, parce que les cubes blancs ont l'air de se déplacer plus vite. Ok. alors là je sais pas du tout. Il n'y a pas de bouton reset. Il n'y a pas de bouton reset en plus. Ouais, donc là je cherche un peu, je galère. À vrai dire. Je galère. Je suis en train de me demander. S'il faut pas mettre plutôt les deux petits là et les deux grands là, mais ça me paraît bizarre quand même. Apparemment les petits se déplacent plus vite, j'ai remarqué ça. Enfin non, c'est pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire c'était ça. Ok. Si je fais maintenant ça. Voilà.
Ah, mais si les petits se déplacent plus vite, à ce moment-là, ce que je veux faire là actuellement pourrait marcher, mais il faudrait que les petits soient sur les gros. Et à ce moment-là, ah, j'ai peut-être une idée. Alors juste, on va décaler les gros pour laisser passer les petits devant. Hop, ouais, on va juste les retirer par là pour qu'on fasse, que ça fasse un truc bien clean. Alors là, forcément, ils étaient mis de travers, donc ça marche pas. Hop, voilà. Alors là, on va espérer. Faut juste que les petits passent devant les gros. Voilà. En plus, ils sont à peu près à la même place. On va maintenant les décaler par là. Que chaque petit soit posé sur le gros. Ah ouais, mais non, l'autre, du coup, il continue de se décaler. C'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Ouais, là ça me semble bien. Alors on va juste faire ça. Voilà, donc là les petits se décalent. Oh, d'ailleurs, pourquoi ce décalage soudain? Je ne sais pas. Et là. Là il va falloir pousser ça. Il va falloir laisser le premier couple passer, mais pas le deuxième. En gros. Hop. Hop. Si je tire tout par là. Ah non, le petit va repasser devant. Attendez. Peut-être une méthode pour pas qu'il repasse devant. Hop, on va faire ça. Hop, donc déjà là on va tout retirer vers l'arrière bien. Tac tac tac. Ok, donc là ceux-là apparemment ont l'air bien placés. Il manque plus qu'à mettre le petit là à côté de ce grand là. Et si ce que je pense marche, ce sera plutôt cool. Voilà. Ouais, par contre, ceux-là vont se décaler, mais c'est pas grave, je les recalerai avec, avec le truc. Le tout, c'est de caler bien seul. Alors, je veux pas les mettre trop proches parce que après, il va falloir quand même que je les sépare avec le truc rouge. C'est juste qu'apparemment, je les ai mal séparés. Et pourquoi ils se tournent ceux-là? Je préfère. Alors hop, on va baisser ça. On va décaler. En fait, là, j'ai refait la même chose que ce que je viens à peine de faire. Alors là, il faudrait que je fasse ça. Ah, purée, ça va me refaire la même chose. Quoique, peut-être pas. Ah ouais, mais non, faut pas que le petit là, il passe. Oh, purée. Purée, purée, purée. Ah bah oui, là c'est bon. Attendez. Je vais m'arranger pour que ça passe. Tac. Tac, celui-là se pousse par là. Là, on fait un coup de par là pour que chaque petit bloc aille de chaque côté. On fait un petit coup de par là. Un petit coup de par là. Waouh, magnifique. Voilà, on y arrive. Voilà, j'ai bien les replacer dans ce sens là et là normalement si c'est ce que je crois marche, plus que les petits se déplacent plus vite, bim, je m'arrête là et magie, voilà, c'est ça. Donc c'est bien ce qu'il fallait faire. Alors là j'ai un truc qui s'ouvre sous mes pieds, magnifique. Ah, il y avait un bouton reset. Et donc la suite a l'air d'être ici, mais on va se laisser parce que du coup avec l'espèce d'ellipse accélérée que je vous ai fait, je sais pas du tout à combien de temps je suis, sûrement un peu plus que les autres, voilà, donc ça vous fera plaisir parce que je sais que vous aimez bien cette série malgré tout, même s'il y a peu de gens qui regardent par rapport au Minecraft, je sais que ceux qui regardent ont l'air de bien aimer. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un commentaire. Et donc si cette petite série sur Cube vous plaît vraiment, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux avec vos amis. Voilà, donc pour notre part, on se retrouve très bientôt pour la suite de la map sur l'artificier sur Minecraft. Et je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Allez, salut tout le monde!